La fiction. Que je dise pas de bêtises. 2, 3, 4, il me faut. Il me manque Agonie. 2, 3, 4. 5 pour le drain. En vrai, ok, ça c'est mes sortes de groupe. Où est passé mon trait de l'ombre? Humaniste. De l'ombre. Y a peut-être deux, trois sorts que... attendez, attendez, attendez. C'était quoi ça? Portée de démon, ouais. En vrai, ces deux sortilèges là, ils sont sympas, hein, mais ça a utilisé en réfléchissant. Du coup. Fiction installée. Du coup, 2, 3, 4. J'utilise 5 pour massacrer, 6 pour inspirer de la vie. Et avec le doigt, j'appuie sur 1 quand j'ai besoin de balancer un trait de l'ombre parce que si j'ai crépuscule. Trait de corruption, c'est bon. Invocation du regard noir, c'est bon. Et voile de mort, ouais, voile de mort, je l'ai. C'est quoi ça, maîtrise d'affection puissante? C'est du passif, donc on s'en tape. Niveau métier, toujours couture, herboriste. Alors, herboriste, c'est parce que à Draenor, ça valait le coup. Il y avait la vente de trucs à Draenor était assez incroyable. Ok, donc c'est bon. Pour mes sorts choqués, en démon, bah du coup, mon marcheur du vide. Il me faut 10 000 points d'expérience pour. Non, c'est ma réputation, ça. Il est où mon niveau d'XP? Bon, on va voir. Cinématique. Je savais qu'elle viendrait un jour, qu'elle voudrait ce pouvoir pour elle-même.
cela. Elle a commis l'impensable. Là, elle va s'en prendre à tout le monde. Elle veut terminer ce qu'elle a commencé. Et briser tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin. Ceux qui ont maintenu l'unité d'Azeroth seront dans sa ligne de mire. Sa venue annoncera notre fin. Ouais. Ah, ok, d'accord. Quand je me TP, je désinvoque mon démon. Bon. On va savoir. Temps de chargement, tout ça. Il vous attend au trône de glace, en compagnie des dirigeants de la Holvar, le dragon noir récupéré de son combat contre Sylvanas Coursement. Il nous attend avec nos alliés. Ah. Ça fait bien longtemps que je suis pas venu ici. Alors, juste pour une petite histoire, hein, donc Darion, c'est celui qui a pris la place de Arthas après qu'on l'ait vaincu.
C'est chiant que le son arrive qu'après. Quand Sylvanas a brisé le homme de domination, le pouvoir qui s'en est échappé l'a marqué de son empreinte. Je perçois des échos de ce pouvoir et je sais où la trouver. Si vous voulez secourir vos chefs, le homme brisé peut ouvrir un passage, mais ce sera un aller simple, sachez-le. Vous devrez revenir par vos propres moyens. Ce n'est pas sans risque, MDG Normand, mais nous n'avons pas d'autre solution. Nous devons commencer le rituel immédiatement. Terminer le rituel au trône de glace afin d'ouvrir la faille menant à l'antre. Et bien si on m'avait dit qu'un jour le roi Lich aiderait. Brisant le home, Sylvanas a ouvert une plaie béante entre notre monde et l'ombre-terre. Pendant ma veille sur le trône de glace, j'ai eu de brèves visions des royaumes de la mort, et parmi eux, d'un abîme aux ténèbres inexorables. C'est là que vous devez vous rendre pour sauver les victimes de Sylvanas. Tous ensemble, nous pouvons ouvrir un chemin. Disposez les éclats de domination autour du cercle runique, et le rituel pourra commencer. Le pouvoir du home est insidieux. Il me fallait toute ma volonté pour réussir à le contenir. Bien des fois, j'ai failli ployer sous l'effort. Je percevais une noire présence à la lisière de mon esprit, mais pas Arthas, ni Ner'zhul, quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, je sens cette même présence tapis de l'autre côté de la brèche. Je ne peux pas vous accompagner. Même libéré du home, je craindrais trop de tomber sous l'influence de son véritable maître. Mais cette menace doit absolument être jugulée. Alors, vous devez aller où je ne le peux pas. Elle a bien défoncé le casque. J'ai des dangers terribles. Sans aide, vous pourriez être dépassé. Les chevaliers de la lame d'ébène vont mettre leur force à votre service. Darion Mogren est volontaire pour combattre à vos côtés. Même dans un royaume de l'au-delà, la lame d'ébène ne craint pas la mort. Jamais été censé passer de l'autre côté du voile. Vous partez pour un endroit dont vous pourriez ne jamais revenir. Mais il n'y a pas d'alternative. La mort voudrait nous ravir à Azeroth. Et c'est à vous de l'en empêcher. Le moment est venu. Brandissez le home brisé et nous ouvrirons la brèche. Est ouverte. Votre bravoure ne sera jamais oubliée. Aldi El Shala. Retrouvez nos camarades enlevés et ramenez-les nous. Ok.
Occupez-vous de sauver les autres. Je vais exécuter la Banshee. Tyrande ! Non ! Sol, il sale, c'est la mal ! Bienvenue en Ombre-Terre. Alors j'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup de metagame dans le lore. Enfin qu'il y en aurait un peu quoi. On verra un peu. Je ne vois absolument rien. Une lame fracturée. L'énergie chaotique qui servit en ces lieux à disperser la lame d'ébène. Je serais étonné de voir les dons d'Azeroth arriver jusqu'ici. Est-ce qu'à vous ici, démoniste ? Pour survivre à cet endroit, il va nous falloir des alliés. Et il faut trouver vite avant que tous se trouvent submergés. Rallier 10 chevaliers de la lame ébène dans le creuset des damnés. Okay. Nous sommes éternels. Nous sommes inflexibles. Les chevaliers ont beau être coriaces, leurs chances sont bien minces, aussi dispersées face à un adversaire aussi redoutable. Nous devons à tout prix réduire le nombre de nos ennemis. La lame d'ébène ne pourra plus rien pour nous si les chevaliers se font décimer. Terrasser 8 ennemis dans le creuset. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la terrible fin. Voyez-vous un chemin hors d'ici. On vous retrouvera plus loin. Bon, c'est l'heure d'aller. Ouais, je dis ça. Ah la vache, j'enchaîne les...
Ah. Ah, j'ai l'impression que le... que mon crépuscule il tombe beaucoup plus souvent. Ok. Il me reste quoi? Non mais c'est bon, le chevalier de la mort rallié là, c'est bon non? Je vois pas mon XP. Nous sommes en train d'établir une position avancée. Allez vous assurer qu'elle soit solide. J'ai pas rallié tout le monde là. Là-bas. Non mais non, ils sont morts donc. Il va falloir que je fasse demi-tour. Quand même.
c'est bon. Bien correct, ok. Je pense qu'il faut que je parte par là du coup. Non, par là. Un des plus grands démons a acculé plusieurs de nos chevaliers. Volez vite à leur secours avant que nos pertes ne subissent encore plus. Partez sans vous retourner, vous ne faites pas un pour moi. Ah d'accord, ok, attendez. Ok, ça me permet d'invoquer les sbires. Pas mal ça. On avait la même chose à Légion. Là. Ok. Vu un peu trop gros. Attendez une seconde. C'est quoi qui fait ce bruit, sérieusement? Wow.
Bon, je loot, hein, en même temps. Bah, il est là. Je dois m'approcher. Je suis pour le voir. Putain. C'était pas lui? À la S. C'est lui? Ok, d'accord. Ouais, ok. J'ai vu un élite, mais je croyais que c'était lui et c'était pas lui. Là, pour prendre l'aggro sur sa gueule. Ah, attendez, parce que je suis un petit peu embêté. La 5G, c'est l'expédition de Talendi. C'est bon. Je vois ma barre d'expérience. Vous n'êtes pas perdu. Pas encore. Les ennemis qui rôdent ici sont bien plus nombreux que nous. Évitons d'attirer leur attention. Recueillez tout indice susceptible de nous apprendre où se trouvent nos alliés. De la magie du givre,
sans doute l'œuvre de notre cher amiral suprême. Le combat semble avoir continué dans cette direction. Suivons la piste, tant qu'elle est fraîche. LOL. Ne restons pas là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Que nous ayons retrouvé l'amiral suprême. Je vais faire signe à la dame d'ébène d'avancer. La lumière soit louée, vous nous avez trouvés. Ah, Jaina. Nous ne pouvons pas laisser ce monde succomber aux ténèbres. Je n'oublierai rien. C'est un grand soulagement de revoir des visages amicaux, mais la joie des retrouvailles devra attendre. Amicaux, tout est relatif, hein, Jaina. Les blessés et les habitants. Je vous rappelle que c'est TL contre qui on se battait principalement dans la bataille de Kul Tirassa. Et voilà, c'est grande adversité envers cette dame. Tra les blessés et les habitants de ce royaume nous pourchassent sans relâche. Nous devons, avant toute autre chose, trouver un abri. Venez, je crois connaître un endroit convenable. Comment ça, connaître? On est censé rien connaître de ce territoire, hein. Mais bon. L'Alliance survivra. On ne peut pas rester ici. Thrall, vous pouvez marcher? Je vais me débrouiller. Merci d'avoir volé à mon secours, Jaina. Il y a quelque chose dans le ciel! Ils nous ont repérés. Attention! Débattez-vous tant que vous voudrez, mortel. Nul n'échappe à son destin. Des images miroirs qui devraient faire diversion. Mais l'illusion ne tiendra pas bien longtemps. Dépêchez-vous! Une longue route nous attend. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Il y a une grotte non loin d'ici. Prenons le pas et nous pourrons nous y réfugier. Si ces démons nous repèrent, vous pouvez être sûr qu'ils ne nous lâcheront pas d'une semelle. Préparez-vous à en découdre. Escortez les troupes réunies de Calcis à la halte mélancolique. La moindre étincelle peut embraser le monde. Contrôlez votre pouvoir. Ou c'est lui. Il y a une grotte non loin d'ici. Avec un peu de chance, nous l'atteindrons sans nous faire repérer. Espérons. Ils ne seront pas ravis de voir que vous avez encore réussi à leur échapper.
Oui, vous ne nous échapperez jamais, mortel. Ouais, je trouve pas qu'on est très discret, hein, franchement, mais bon. Fini de rire. Chevalier, emparez-vous de la grotte. Nous allons retenir ces démons. Qu'est-ce que je dois faire? Elle est où, Jaina? Elle est là. Du coup... Pour la discrétion, on repassera. Allons, dépêchons. Non, sans déconner. Qu'est-ce que vous voulez dire, Tral, exactement? C'est une habitude chez nous. Oui, j'ai eu beau m'échapper un nombre incalculable de fois. Je finis toujours au fond d'une cage. Je me suis déjà caché dans cette grotte. Il ne faut pas nous éterniser, mais l'endroit devrait être sûr un certain temps. Mais comment ça? T'es déjà venu ici? Sans déconner? Bon, bah, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on peut revenir, moi. En voilà d'autres. Oh merde. Abattez-les! Signe de la guerre de la lumière avant notre arrivée. Tyrande, ici? Non, je ne l'ai pas vue. Elle s'est jetée dans la faille juste avant nous, en jurant de traquer Sylvanas. Elle a reçu un pouvoir immense d'un rituel ancestral. J'ai peur qu'elle ne soit pas en mesure de le contenir. Votre cellule vous attend, mage. Le geôlier a des projets pour vous. Je n'ai pas de... J'en ai assez de tes cages, démon! Il n'y a aucune issue! Personne ne s'échappe de l'antre! Wow! Arrivé, hein. Oh, c'est trop tard pour acheter, bah, pour appeler des renforts. C'est vrai que j'ai pas pensé aux renforts, mais bon. Laissez-moi le looter. Voilà.
Il est inutile de résister. Ah, pas de loot. Nous devrions être à l'abri ici, pour l'instant. En vous voyant arriver, je me suis d'abord demandé si vous n'étiez pas qu'une autre illusion venue nous tourmenter. Je commençais à désespérer de revoir quelqu'un de notre monde un jour. Donc, qui doit être fait. Donc elle s'est retrouvée après Draenor. Enfin après Draenor, après BFA quoi. Anjo était convaincu que nos alliés voleraient à notre secours, mais j'avoue que je commence à en douter. Vous posez sûrement toutes sortes de questions. Je vais faire de mon mieux pour y répondre, mais je crains que même après, quoi, des semaines, des mois, peut-être, le temps n'a plus aucun sens dans ces ténèbres impénétrables. Pardonnez-moi, je m'égare. Je vais vous dire le peu que je sais. Parlez à Jaina de la... Oh là, ça sent la... Nous traînons tous nos fantômes. Ouais. Ah. Ah, ce bug existe toujours. Le temps bon. Des rêves est révolu. Cinématique. Contrôlez votre pouvoir. Bon, par où commencer? Ils appellent cet endroit l'antre. C'est une sorte de prison pour les âmes les plus cruelles et corrompues qui soient. Mais quelque chose semble avoir changé. Et des âmes pures échouent ici aussi. On les entend qui hurlent d'horreur. Oui. Et parmi leurs tortionnaires et les nôtres, on retrouve Sylvanas. On dirait qu'elle s'est trouvée un allié puissant. Les ombres murmurent un nom. Le geôlier. Ok. De véritables combats nous attendent. Ah, oh, c'est pas vrai, encore ce bug. Je n'oublierai. La route qui nous attend sera difficile. Le geôlier est celui qui règne sur cet endroit. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il semble beaucoup s'intéresser à nous. Il s'est occupé personnellement de notre accueil en ces lieux. C'était une terrible torture. Parfois, on aurait dit qu'il voulait nous mettre à l'épreuve. Ça, je l'ignore. Quoi que prépare ce geôlier et la Banshee, cela se terminera mal pour nous tous. Que peut faire la fille du vent salé pour vous aider? J'ai aperçu Bane et Anduin lors de mes diverses tentatives d'évasion. Ils sont vivants, et c'est tout ce que je sais. Ce que j'ignore encore, c'est le moyen de sortir d'ici. Je n'arrive à me téléporter qu'à courte distance. On est prisonnier de ce cauchemar. L'endroit grouille de nouvelles âmes. Mais certaines sont ici depuis des éternités. L'une d'entre elles saura peut-être où trouver une issue. J'ai peine à imaginer les horreurs que ces âmes ont pu endurer. Je crains qu'elles soient au-delà de toute rédemption. Elles prennent la forme d'ombres malveillantes qui errent dans les ténèbres. Elles ne seront pas disposées à nous aider. La lame d'ébène sait faire parler les morts. Si nous parvenons à capturer l'un d'eux, nous pourrons lui arracher ses secrets. Le temps des rêves est révolu. Je sais ce qui doit être fait. Il n'y a pas de fait. Pas de repos.
Si ces âmes détiennent les informations dont nous avons besoin, nous les ferons parler de gré ou de force, même brisé par la Banshee, le fragment du homme que Bolvar vous a confié conserve le pouvoir de la domination. Grâce à lui, nous allons prendre le contrôle des esprits, le temps de leur soutirer les renseignements, mais d'abord, il nous faut les affaiblir avant de les briser. Voilà qui me semble tout à fait dans vos cordes. Utilisez le homme de domination brisée pour prendre le contrôle de 5 ombres malveillantes dans le plan de la tourmente. Les chevaliers de la lame d'ébène ne faibliront pas. C'est pas eux, hein. C'est bien correct. Ok. Ok. Pour le moment, je suis mort qu'une fois. Ça va. Et on progresse plutôt bien. C'est con, ça c'est pour après. Lui c'est pour après, mais j'ai des joueurs qui sont dessus. Là-bas, sur la falaise, voici notre proie. Ok. Cette créature va vous donner du fil à retordre. Je demanderai l'aide de la lame d'ébène quand vous intervenez. Allez, cette fois-ci on l'a fait. Alors, ça frérot, moi aussi je peux le faire, hein.
c'est bon, je l'ai.